Je suis très heureuse de parler de ce livre. C'est un livre qui me tient vraiment à cœur parce que d'abord, c'est peut-être un livre-objet, c'est-à-dire c'est à la fois un livre où je raconte bien sûr ce qu'est cette pleine conscience, cette méditation de pleine conscience, qui est une pratique contemporaine, totalement laïque, et qui permet d'apaiser son stress, de réguler ses émotions, d'être mieux concentré, d'être mieux mobilisé sur un plan intellectuel, mais aussi de pouvoir trouver une forme de calme et d'apaisement à l'intérieur de soi. Donc c'est à la fois un livre pour raconter tout ça, pour raconter aussi un petit peu comment ça se passe et comment ça marche, cette méditation de pleine conscience. Mais c'est aussi un livre dans lequel j'ai mis beaucoup de mon expérience avec les enfants, avec les adolescents, en particulier avec les enfants et les adolescents qui peuvent avoir des difficultés scolaires. Et j'explique comment cette pratique de méditation de pleine conscience peut aider les enfants à, un petit peu comme le petit poussé, à retrouver les cailloux pour retrouver le chemin de leurs ressources, de leur sentiment de compétence. D'où le titre de mon livre « Tout est là, juste là ». C'est-à-dire qu'on a toutes les ressources en nous, mais souvent, on a perdu le chemin, on a perdu l'accès, parce qu'on est trop préoccupé, on a trop de stress dans la tête, on est trop anxieux, ou on a la tête ailleurs. Donc ces enfants en difficulté, qui sont des enfants que je connais bien, puisque c'est ma pratique de psy, de psychologue, de psychothérapeute depuis de nombreuses années, mais aussi les enfants en difficulté plutôt sur le versant psychologique, des enfants justement un peu anxieux, qui peuvent avoir un certain nombre de troubles, et puis ces enfants aussi dont on parle beaucoup aujourd'hui, ces enfants avec des difficultés d'attention, de concentration, qui zappent en permanence et qui sont hyper connectés et qui sont souvent, les parents le disent, qui sont tellement dispersés. Mais nous aussi, les adultes, on est dispersés. Donc comment arriver à pouvoir se recentrer et se centrer. Et je disais un livre objet parce que c'est à la fois donc ce livre avec toute cette explication autour de la pleine conscience et toute une espèce de transmission autour de mon expérience professionnelle avec les enfants, avec les adolescents. C'est très important aussi de parler des adolescents et c'est parfois un peu plus compliqué d'approcher les adolescents. Mais bon, c'est mon métier, je sais bien le faire, je crois. Mais c'est aussi un livre pratique parce que je donne beaucoup d'exercices, d'exemples pour aider les parents, les éducateurs au sens large, comment faire au quotidien pour introduire, inclure des moments de pleine conscience dans leur vie tous les jours pour aider leurs enfants à grandir, à s'épanouir, à devenir des adultes heureux, bien dans leur vie, bien dans leur tête. Et puis j'explique aussi aux parents comment ils peuvent faire pour eux-mêmes. Et je milite beaucoup pour introduire la méditation de pleine conscience dans les écoles parce que pour moi c'est vraiment ça la réforme à faire, le changement de rythme. Et que quelques instants de pleine conscience avant un cours, après un apprentissage, même quelques instants de silence tous ensemble, ça permet aux enfants de trouver le calme et de mieux mémoriser les apprentissages, de mieux intégrer. Ça permet d'être beaucoup plus là, vraiment là. Et puis dans ce livre, il y a aussi tout un cahier pratique où j'explique les programmes de méditation de pleine conscience pour les enfants de 7 à 12 ans et pour les adolescents à partir de 12 ans. Et vraiment, je l'explique séance par séance et je décris exactement comment se déroule une séance et je donne toutes les indications pour les praticiens qui veulent faire des programmes ou pour toutes les personnes formées déjà eux-mêmes en pleine conscience pour pouvoir proposer ces programmes aux enfants et aux adolescents. Donc tout le contenu est déroulé, tous les exercices à faire, même ce qu'on peut dire, comment on peut le dire. Et puis enfin, dans ce livre, il y a aussi un CD avec des méditations qui sont enregistrées. 6 méditations pour les enfants de 7 à 12 ans, 6 méditations pour les ados, et puis un petit bonus avec une méditation pour les parents, parce que quand même c'est important d'avoir aussi une petite méditation pour les adultes, pour tous les adultes, et une petite méditation pour tous, une petite méditation express, quand on n'a pas trop de temps, mais que quand même on a besoin de qu'on a besoin de se réaligner, de se recentrer,
de se poser. Voilà, donc je suis vraiment contente de parler de tout ça et de le partager, parce que c'est vraiment un livre de, pour moi, c'est vraiment un livre de partage. C'est un livre de partage de mon expérience avec la pleine conscience, de mon expérience professionnelle avec les enfants, avec les adolescents, et puis mon expérience dans l'accompagnement des familles et des enseignants.